Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode de Bomber Crew. Donc dans cet épisode, on va prendre une autre mission. Alors il reste toujours la mission principale en très risqué, mais j'ai pas envie de mourir du coup. Hein. Faut que je me refasse un peu, parce que mon avion, du coup, c'est une vaste bouse. Les transports alliés se font harceler par ces sous-marins dans la mer du Nord. Nous allons être chargés de traquer et de couler ces bougres. D'accord. Donc une mission de bombarde. Très bien. Moi, je préférerais les sauver des gens. C'était moins contraignant. Alors déjà, vous êtes placé comment là-dedans? Je te préfère plutôt en bas. T'es sur poste là? Étrange. Belle, ok. Enfin, ça manque tellement d'artilleurs là-dedans, quoi. Pilote, t'es verrouillé sur ton siège. Moyenne altitude, tu décolles. Ah, du coup, on a quelqu'un niveau 1, c'est triste. Cartographie. Dégagé. Quoi dégagé? Ok, bon, on est là en Angleterre. Voilà, c'est bien de savoir d'où ça vole, c'est toujours pratique. Ok, hop, rentrer le train d'atterrissage. Oh putain, je l'ai rentré trop tard. Ce siège de mitrailleuse. Bref. Mais non. Toi, reviens ici. Toi, viens là. Putain, je fais de la merde. Descends. Basse altitude, tout de suite. Ah, du coup, j'ai le train d'atterrissage arrière qui reste sorti. Bah, le radar est donc inactif. Formidable. Oh, il est fragile ton bousingue là. Oh, la prochaine fois t'envoies l'infanterie, on sera plus vite arrivé. Hein. Ouais, la nage, l'infanterie, elle sera plus vite arrivée, crois-moi bien. Il va falloir détruire du sous-marin, formidable. Et puis on est tellement heureux avec cette nouvelle de merde. Et on sait pas où on est du tout. C'est bon, tu rentres les trains d'atterrissage. Besoin de mise à jour de navigation? Non, c'est vrai, on te croit. On te croit tellement, Johnson. Johnson, on va l'appeler Palisse. Voilà, c'est vérité de la Palisse et de la Palissade. Mais merde, c'est quoi cette vue de con? Mais c'est... Thank you.
Ok. Mec, tu vas aller sur ma cible, couillou merde! Mais il veut pas aller dessus, cet abruti! Bah, va sur celle-là! Oh putain! Horrible. Ok. On va ouvrir les portes. C'est ouvert. Hop, on largue. Bande suivante. T'es sérieux? Non, mais redescends en bas. Il nous manque une cible là. On va pas nous faire genre, on la voit pas, tout ça. Hein. J'y crois pas. Ah, il peut pas, putain. Sa carrière. On est en train de sucer tout le carburant. Ah putain, mais ouvre les portes du coup. Belle. Ok. Normalement on est aligné là. Ok, on reprend Belle. On ouvrira les portes quand tout sera bon. Putain, il a plongé en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il plonge ce con. Du coup, on peut le rater. C'est ma dernière bombe. Ah, ça y est, je le vois. Ok, c'est bon là. Aligne-toi dessus. Faut pas qu'il plonge. C'est frais. Autour QG, attends. Autour QG. Bon, voyons voir cette fût qui était donc pas très bien alignée. On va réaligner, sinon on peut pas s'occuper de Belle. Belle, normalement on a plus besoin de toi ici. Tac, tu peux remonter là. Et aligné dès que t'as un moment. McKay, tu concentres. Concentre. Reste frais, ma gueule. Ouais, mais nous, on est incapable de voir à haute altitude. On ne montera pas, mec. Mais lol. C'est bon, t'es bien là.
va arracher un meurtre. Paf. Ok. À la guérison. Il nous reste combien? 7 minutes de carburant. On est safe. Je vous le garantis, les mecs. On est safe. La carte, qu'est-ce que tu dis? On dit qu'on est quand même un peu loin. Ouais, hop là. Allez, allez, on a... dis-moi qu'on n'a pas besoin de s'aligner pendant 15 jours. Ça va être bon. Ok, Mackay reprend sa place. Dépêche-toi, on nous dit qu'il nous reste combien là? 7 minutes, on est large. 7 minutes, on est large. Oh, 1000 jours pour s'aligner, 1 jour pour s'aligner. Mec, t'as pas de carburant, tu t'alignes pas, tu vas te cracher à moitié et puis voilà, t'as pété deux trains d'atterrissage et t'es bon. Plan de droit devant, on s'en fout. Oh, Radioman. Eh, vous avez vu? C'est Londres, les gars. Je suis allé avec ma femme, je l'ai emmené une fois. Ferme-la. J'aurais peut-être pas dû sortir les trains maintenant. 4, 3. Bon, on a assez de carburant. 4, 5 minutes de carburant, 4 minutes, 4, 5, 6, 7, voilà, voilà, on récupère du carburant au fur et à mesure qu'on se pose, on récupère du carburant et on est parfait. Sauver les squads. Ici, photo de reconnaissance facultative. On a rapporté un peu de thunes. Première mission du canard déplumé. Ça s'est bien passé. Et ils sont tous revenus. C'est beau. On a récupéré le boost. Et c'est tout. Oh là là. Tout ce qu'on a gagné. D'accord. On a redébloqué 1 million de trucs, évidemment. Et ce qui me paraît évident, c'est impérativement la tourelle arrière. La tourelle de queue, c'est la vie. Tourelle de queue. Ah, on peut avoir encore plus gros. Oh. Mais qu'est-ce qui change là? C'est quoi l'intérêt là de ta merde? 12 bandes de munitions. Ah, je crois que l'intérêt... Là, ce machin extrêmement lourd. Par contre, le nombre de dégâts, ça race. Non, en fait, ce que là, je me prends avec une bande de munitions, les ceintures de munitions sont restockées automatiquement sans avoir à passer par la boîte de munitions. Il est là l'intérêt. Tellement chance que tu te dis, ah, si j'avais la MK2, visiblement j'aurais pas la MK2 quoi. Allez, la dorsale, c'est trop cher, tout est trop cher. Système électrique, bon bah je peux pas, on ne peut pas payer. On n'a pas de... Voilà. Ah, on peut avoir des jolis petits ronds maintenant. C'est très joli. Alors, on peut avoir des textes centrés en jaune. Waouh. Eh ben, à juger. Parce qu'on n'avait plus de texte du coup. Hop là. Ah, un deuxième emplacement pour 1700 boules. Mais arrêtez de vous foutre de la tête du monde aussi à un moment donné. Soyez sérieux 5 secondes aussi. Oh les mecs. Le sérieux absolu quoi. D'accord, d'accord, ok, très bien. C'était où? Livrée. La livrée. Ah oui, on n'a plus rien. Bon bah, on va mettre des yeux de chat. Non, c'est moche, des yeux de chat. C'est le personnalité 1. Ah ouais, 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 le personnalisé 1. Ouais, tellement. À tout temps. Franchement, on déconne pas. Ça, c'est le vrai style, messieurs. Ça, c'est le vrai style.
Oh, en noir, ça serait pas mal. Modifier le texte de la livrée. Ah, on peut pas, on devrait être obligé de tout effacer. Ok, c'est parti. C'est le reporter. Attendez, il faut marquer ça en. Ah non, merde, en majuscule. C'est le reporter crew. Voilà. Ouais, on aurait pu marquer War Reporter, mais. Voilà, c'est le reporter. C'est le crew des journalistes. La team photographe, quoi. La team qu'on aime, quoi. Tout simplement. On se paye un pigeon voyageur. C'est rigolo ça. Ah d'accord, ouais ok, tu sautes avec un piaf. Ah nice, ah c'est cool. Dériveur. Et ça va être pour les ok, ça va être pour dégager des fumées pour être localisé je suppose. Équipement du crew. Équipement du crew Ah de nouveaux presets. C'est des kits. Moi je préfère le. Ah ouais, c'est que des kits de pilote. Je préfère le kit de vol. Ils sont bons comme ça. Ok, on essaie de se mettre une. Voilà, ça sert sur une mission. Parce que j'avais peur de me taper la bien dure. Et allez, dégâts des ennemis réduits pour les deux prochaines missions. Ça c'est important. Donc la batterie de Tot. Fait pleuvoir de l'artillerie sur la côte anglaise. Nos bombes actuelles ne pourront pas le perforer, mais nous pouvons le priver de munitions. Détruisez les planques de munitions utilisées par les canons. Très bien. Et ça, c'est quoi, arme secrète? Ah, c'est intéressant. Production de chasseurs de Düsseldorf. Ah. Bien, pour lancer la grande semaine, vous serez le premier à frapper la production de chasseurs de l'ennemi. Nous avons eu vent du fait que l'ennemi concocte un avion expérimental de le temps presse. Je suis tenté. Non, on va se lancer une petite mission comme ça. Parce qu'on va se prendre le bonus pour les deux prochaines missions comme ça. On se fait la mission secrète et la mission à haut risque peut-être. C'est parti. Parce que bon, la mission secrète à mon avis, elle va être un peu salée. Si elle est facile, c'est pas normal. Johnson! Décollez, Johnson! Il fait beau aujourd'hui! On va voyager haut! Pour prendre des photos aériennes de qualité supérieure. Ok, donc on a le boost, plongée, machin. Oui, on a toujours son incompétence absolue. Ah! Rentre tout de suite! Avant que ça pète! Bon après c'est le mécano qui est content, hein, celui fait de l'XP à chaque fois. Mais... Comment ça gonfler cette histoire? Quoi? Ah mais merde! Mais merde! Il va marcher un jour ce truc de merde, c'est pas possible! Par contre je trouve ça dommage que le mec reprenne pas sa place juste après, genre par exemple pour les munitions, c'est bien fait, c'est-à-dire que une fois que t'as pris les munitions, le mec retourne à sa place. Et attend pas que tu lui redonnes une pièce d'artillerie. Non. Par contre pour ce qui est du mécano, c'est tu le déplaces, il va réparer son truc mais il reste planté devant que planté de bâton quoi. Tu n'as rien, il faut que tu sois level 3 pour ça. Ah ça c'est dommage, on perd un peu de hein, on perd quelques petites choses ici et là. Bon. Alors Fraser, tu fais de l'XP? Hein, tête de con. Tête de code, je sais plus. Enfin, on s'en fout. Ça marche. Ok, très bien, formidable. Je propose d'avancer un peu tant que tout se passe bien. Oh. Nous avons identifié des problèmes. Belle. Belle, tu n'es pas au bon endroit. En position. Position pour faire feu. On est peut-être un peu haut. Si je dois tirer à travers un nuage, je vais avoir l'air con. On dit qu'on va tirer à travers un nuage. Ça me paraît bien. Ouvrir les portes. Thank you.
descend. Descend, descend. Il y a des chasseurs que j'ai pas vu, ouais. J'ai pas localisé. Alors, tu restocks une bombe. Concentration, McKay. Concentre-toi, McKay. Des fesses les gars, c'est pas le moment. Ok MacBell, restock des munitions. Ferme les portes temporairement. MacKay, est-ce que ta concentration est optimale? MacKay, reste concentré MacKay. Fraser, on a besoin de toi sur dispositif tout de suite. Schnell. McKay, reste concentré, McKay, décode pas, mec. Oh, Fraser qui prend la sauce. Fraser, ils lui ont mis la sauce. La cible là. Belle, s'il te plaît, belle, 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 belle. On peut prendre un petit boost de vitesse, monsieur. Non, c'est pas ici. C'est toi. Fraser, j'ai besoin que tu prennes une arme. Fraser, j'ai besoin que tu répares ça tout de suite. Fraser, j'ai besoin de toi partout. On est prêt, on est prêt. On a le sang froid. Ok, on ferme les portes. Johnson, il faut que tu montes, Johnson. Monte Johnson, MG plongé. Vas-y, ma gueule, plonge. Oh, ma gueule. Chercher des munitions, vite. Fraser, grouille-toi. Fraser, il y a des gens qui attendent derrière. Allez, c'est quand tu veux. Ouais, il me faut le MG. Oh, je l'ai plus. Ok, on a des moteurs qui sont un peu down. Ça va aller. On le vit bien, on le vit bien, on le vit bien. Il va falloir qu'on redescende en bas, sinon le navigateur va me dire qu'il voit plus rien. Allez, on redescend, Et il reste des cibles à bombarder? Non. J'ai tout claqué là. Ok. Fraser, tu te dépêches un peu ou quoi? Il faut te pousser un peu. McKay, tiens, va prendre une pause café là. Pause clope. Fraser, arrête de rien branler. Le mec il fait 100 ans engueuler sur les canaux. Fraser, dehors. Va prendre l'air un peu. Tu nous saoules. On respire plus ici là. Ça sent le taureau. Fais pas le con, Fraser. J'en ai marre de changer de mécano, Fraser. Reste frais. Ça fera l'affaire, Fraser. Entre. Arrête de faire le con, Fraser. Pas possible celui-là, hein. Le pauvre qui se fait engueuler tout le temps, c'est. Voilà, reprends un peu de vie là. On reste frais, un moteur qui débloque, c'est pas grave. C'est trop tard de toute façon pour que ça pète. Économie de carburant, on s'en occupera un autre jour. Les reporters de guerre sont de retour et on a pris une photo de tout, les gars. On a tout pris en photo. Hein. Les pilotes allemands avec leur bière à la main, tout. La totale, les gars, on a tout fait. Oh, qui nous pouvaissait la vie, c'était génial. Bravo. Et bien voilà. Une petite mission, somme toute, très tranquille, hein. Poser, hein.
Paf, paf, paf. Bonus ralentissement de temps. Ah. Ah, aucun bonus de ralentissement de temps. Comment ça? Non, je pense que c'est mal traduit. Je pense que j'ai un bonus pour aucun ralentissement du temps. Ah. Un petit pécule de 80 balles. Bon, après, c'est parce qu'il casse une branche, mais c'est vrai que c'est toujours cool de te dire... j'étais à fond dans le truc, j'ai gagné 10 balles de plus, quoi. Ok, bah tout le monde est revenu. Très bien, on a ce penche à nouveau. La radio de reconnaissance pour trouver du boulot en plus. Et la concentration débloquée. Ah, pour les deux tireurs. Formidable. Formidable. Pouf. Il va falloir qu'on trouve de vraies solutions. Hein. Je pense que le mécanicien doit devenir un artilleur. Je pense. Sincèrement. Équipement de l'équipage. Allons voir. Qu'a-t-on gagné, messieurs? Pas de nouveau preset. Faudra encore attendre un peu. Ok, au niveau de l'entraînement. Ah, oh. Gray, Ira, Choupette. Alors, Choupette. Choupette ou Choupette? Je sais pas. Soldat. Voilà. Féminin sergent, normalement, c'est ça. Est-ce que j'ai des hommes au moins à bord? Non. Bah, F, c'est pas pour féminin. Ok. On sait pas. On sait plus. Voilà, maintenant tu leur mets un casque, c'est fini, tu sais plus qui est qui. C'est parfait. Alors, opérateur radio, ça fait quoi? Non, mais j'aurais voulu savoir ce que ça fait. Mitrailleur, mécano... Ah oui, je peux le monter du coup comme je veux. C'est le mec aux cartes. Le mec aux cartes, je pense que premier soin, ce sera bien. Premier soin pour toi, validé. Hein? Présence principale. Oui? Très bien. Ouais, enfin c'est cool. Ok, suivant. Donc maintenant on a un infirmier dans le groupe, ça fait plaisir. Tu es artilleur. Bah c'est McKay. Alors McKay. Bah alors McKay, tu fais le camp McKay. Bah McKay, je pense qu'il va falloir que tu deviennes infirmier aussi parce que juste pour te soigner toi-même, vu le nombre de cartouches que tu prends, je pense qu'il faut que tu ailles te soigner toi-même, je pense. Et c'est tout. Il y en avait que deux. J'ai cru qu'il y avait 3 mecs. Désolé, j'ai cru qu'il y avait 3 mecs. Bomber, artilleur, formidable. Avion. On a des nouvelles choses. À mon avis, on va avoir droit à des nouveaux graffitis. Voilà. On a droit à des... Oh là là, le cadre personnalisé. Ah non, c'est vilain. Oh, c'est vilain, monsieur. Dessin moteur. As de pique. Ah, c'est rigolo, l'as de pique. Stylé. Mais bon, j'ai jamais abattu de vrais guerriers, donc... Je ne mérite pas. Cela. Fuselage. Ah. Oh. Petit fuselage MK2. Mais alors je le veux pas à l'avant. Fuselage. J'ai train, j'ai milieu. Que et L. Que je voudrais du MK2. Et 250 points d'armure. Ouais, d'accord. D'accord. Ce que t'appelles le train principal, ok. Et vraiment les ailes, mais je pense que ça prend aussi en compte les ailes arrière. Donc là on passerait de 750 à 1000. Pour 1000 balles. Complètement. Hein? Ah putain, il faut déjà que je change de moteur. Moteur poule. Poule, poule, poulet. Port interne. D'accord, ok. Le tribord intérieur, le tribord extérieur. Ok, port interne. Je pense qu'on va changer les ports internes pour 1000 balles. Et on va revenir sur le fuselage. J'ai fait le MK2 pour les ailes. Et j'ai pas fait la queue. Je me déteste. Que MK2, ah oui, je pouvais pas l'installer. Ok, très bien. Survie tout ça, du coup je peux rien payer parce que tout coûte. Le prix de départ c'est toujours 1000$ pour tout. Enfin, c'est à dire que le mec, tu lui demandes un café, c'est 1000 livres. C'est 1000 livres au sterling tout de suite. Ah oui, tiens, bah d'ailleurs mon poids est là. Mon poids est là, ok, très bien. Très très bien. Eh bien écoutez, on partira pour un nouveau briefing. Alors si on va juste voir vite fait pour enlever les points orange du matos de l'équipage.
Voilà, donc on a bleu. Voilà. Cool. Cool. Un équipement de tête. Une casquette de fonction. Ils gagnent en vitesse, quoi, quand même. Hein. Ça leur fait gagner speedrun. Mais moi, étant donné que je suis contre la. Enfin, je suis contre demander à mes soldats de se déplacer tout le temps, en fait. On a gagné moult, bordel. Ouais, certaines pièces qui seraient déjà intéressantes à remplacer. Et les gants de cuir renforcés, voilà, c'est la grosse fête. Voilà. Et c'est quoi ton problème, William? Ah oui, parce que vous débloquez du matériel. Oui, d'accord, en fait, vous avez juste débloqué du matériel à cause de vos spécialisations, de vos augmentations de niveau. Voilà, donc ça, je suppose que c'est lié au fait qu'elle est à un niveau d'opérateur radio, de base. Voilà. Et elle débloquera le radio avancé. Oui. Pour opérateur radio. Mais bon, si tu l'as pas, voilà, ça c'est. Voilà, on s'en fout, ça change rien à ta vie, quoi. Voilà, ça ne change rien. Voilà, c'est pareil. Ce qui est un peu dommage, finalement, d'ailleurs. C'est juste pour du lore, on va dire. C'est un peu rigolo. Bah sur ce, je vous remercie, c'était Gnarfonk sur Code d'Habitude Gaming pour Bomber Crew. Et on se retrouve la prochaine fois pour une mission top secrète, normalement. La prochaine fois, c'est la mission top secrète. Des bisous.